une fois encore devant vous l'engagement d'accepter d'une part l'organisation d'un référendum d'autodétermination au Sahara occidental et d'autre part le résultat de ce référendum, quel qu'il soit. Je suis même heureux de prendre devant vous deux engagements plutôt qu'un. Le premier engagement a trait au respect du cessez-le-feu que le Maroc a décidé unilatéralement d'appliquer à partir de cet instant et dont il ne se départirait qu'en cas d'agression contre les territoires qui se trouvent sous sa responsabilité, ce qui l'autoriserait alors à user de son droit de légitime défense. Le Maroc est d'ailleurs prêt à accueillir tous les observateurs neutres qui voudraient constater la réalité de ce cessez-le-feu sur le terrain.